J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très spéciale pour la Saint-Valentin. J'avais envie de faire une vidéo dans le thème, encore une fois, comme l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez. Donc, aujourd'hui, j'ai acheté tout plein de vêtements dans le thème de la Saint-Valentin. Donc, des vêtements que normalement, on serait peut-être pas tenté d'acheter parce qu'ils sont un peu intenses, dans les couleurs de rose, avec des cœurs, pis tout ça. Puis j'ai envie de tester ça aujourd'hui pour vous, pour pas que vous ayez à les acheter pour aucune raison, comme moi, je fais présentement. Donc, j'ai reçu mon colis. J'ai vraiment hâte de regarder parce que ça fait un bout que je l'ai reçu. Puis j'ai déjà ouvert deux vêtements, pour pas vous mentir. J'avais essayé une paire de pantalons et un coton ouaté. Puis il y a beaucoup de gens qui ont ri de moi parce que c'est vraiment intense. Donc, sans plus tarder, je vous montre ça. Donc, je vais commencer par vous montrer les vêtements que j'avais déjà ouverts. Premièrement, ici, j'ai une paire de pantalons rose comme ça, avec des cœurs rouges. Je les trouve quand même vraiment cool. C'est sûr que dans la vie, je porterais pas ça, mettons, au quotidien, là, comme j'avais porté ça pour aller chez ma mère, puis je me prenais pas vraiment au sérieux, mettons. C'était pas vraiment cute. Mais... je sais pas quoi rajouter. Je les aime vraiment, je trouve vraiment qu'ils font bien. Puis c'est ça, j'aime vraiment la couleur, puis le fit. Ils sont beaux, mais c'est vraiment intense. Hey, ça fait tellement Saint-Valentin, tu sais. Dans quelle situation... Dans quelle situation est-ce que vous pensez qu'on pourrait porter les pantalons de main? À moins que vraiment c'est ton genre de style, tu sais. En tout cas, ils sont quand même cool, mais c'est intense. Ensuite, un item que j'avais vraiment hâte de recevoir dans ce que j'avais commandé, c'est ce coton été là, parce qu'il est écrit derrière Love Never Fails. Puis je trouvais ça vraiment cute, tu sais, c'est la mode là, des cotons été avec quelque chose d'écrit à l'arrière. Puis tu sais, c'est un rose comme vraiment vibrant, un fuchsia, rose fuchsia, vraiment intense. Puis je l'aime vraiment pour vrai, c'est juste que, tu sais, bon, la qualité est pas incroyable, là, et on s'entend, là, tu sais, c'est des petits vêtements sur des sites un peu cheap. Quand même cute. En plus, aujourd'hui, j'ai mis un top rose pour fitter dans le thème de la Saint-Valentin. Faire la Saint-Valentin d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, je m'excuse. C'est vraiment cute, mais j'avais porté les deux ensemble, tu sais, vous comprenez? C'est un peu intense. Je le trouve quand même cool pour vrai, tu sais. Lui, je me verrais plus le porter. Je me verrais plus le porter dans la vie en tous les jours. Tandis que les pantalons roses avec les cœurs, je sais pas à quel point je serais capable de les honte. Là, je voulais vraiment me donner à fond dans mon défi de acheter des items de la Saint-Valentin. Alors, pour aller avec un outfit, à quoi pensez-vous? Oui, oui, je vous entends. Un case, mesdames et messieurs. Pour avec mon téléphone, hein? Qu'attendez pour une magie. 1, 2, 3. Wow! Changement de case. Un dos de magie incroyable. Fait que c'est un petit case comme ça. Il est quand même vraiment beau. Là. On s'entend, là, mon téléphone il est noir techniquement. Puis ça fait comme un fond blanc. Et ce case-là était 1$. Donc une aubaine. Puis pour vrai, bon. La qualité. Je sais pas à quel point si je pitche mon téléphone, s'il va survivre. Mais. Hey, c'est cute là. J'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment un détail populaire ces temps-ci, des cœurs comme ça. Non, j'aime vraiment. Il est vraiment cool. Mais tu sais, ça là, avec un outfit comme ça, imaginez-moi là. J'ai l'air d'une fille qui aime la Saint-Valentin. Ensuite, nous avons ici un item, ma foi, spécial. Je sais pas qui dans la vie achèterait un petit pull avec un trou. Oui, oui, un trou au milieu. En forme de cœur, apparemment. Là, c'est... Sur le mannequin, ça ressemblait à ça. And here's what I got. On est un peu loin. C'est supposé jamais être un cœur. Et même encore, là. À quel point tu portes ça dans la vie, là? Comme. Je sais pas. Il est pas très beau, là. Je suis en anglais, je dois dire. Je m'excuse. Si vous le trouvez beau, c'est correct, mais moi, personnellement. Ok, je viens de me rendre compte qu'il y a des trous pour les pouces, là. Comme vous voyez. Mais voyons donc. Pourquoi je vais mettre mes pouces, là? Ok. C'est vraiment. Super! What the f? Genre, je comprends pas trop, mais comme. C'est-tu supposé être cute? Genre, je suis pas à l'aise. Je porterai jamais ça. Il y a un trou. Ça sert à quoi? Je comprends vraiment pas. I'm not really alive. Je vais enlever ça tout de suite. Prochain item, mesdames et messieurs. Oh! Celui-là, je le trouve quand même vraiment beau. Ok! Ça, c'est cute par contre. Ça, c'est vraiment beau. Il est comme. C'est un tissu voile, comme transparent. Puis, non, je l'aime vraiment. Il est vraiment d'un tissu doux. J'aime vraiment la qualité. Mais le bord, ça a l'air un peu cheap. J'aurais peur qu'il se brille. Mais en tout cas, lui, je le trouve vraiment beau, sérieux. Il fait vraiment avec mon case, là. C'est exactement le même design, genre le même motif. Je suis tellement intense. Je tripe sur mon idée de vidéo, gang. J'espère vraiment que vous avez ce genre de vidéo-là parce que c'est mon idée des vidéos préférées à filmer. Genre, c'est vraiment cool. Comme, j'ai des chandails de Saint-Valentin. J'aurais jamais acheté ça dans la vie normale. Si c'est des vêtements que tu vois normalement dans le magasin pis t'es comme. Tu sais, je comprends que c'est la Saint-Valentin présentement, mais pourquoi j'achèterais ça? C'est une journée de Saint-Valentin, là, c'est pas le mot complet, tu sais, en tout cas. Fait que c'est ça pour ce chandail-là. Il est vraiment plus court que ce que je pensais. Et là, c'est sûr que j'ai mis une brasse en dessous noire. On voit vraiment à travers. C'est vraiment transparent. Mais la longueur des bras est genre parfaite. Il est quand même ras le cou. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est vraiment confortable par contre. Je pense qu'il est quand même beau. J'aime vraiment les finitions. Genre, je trouve que ça avantage vraiment la silhouette. C'est juste la gosse qui soit vraiment transparent. Je l'aurais pris comme moins transparent. Mais ça peut quand même être cute. Mais encore une fois, je sais pas vraiment où est-ce que je porterais ça dans la vie.
Nous avons ici une petite camisole. Encore une fois, quand même mignonne pour vrai. Puis le tissu, bonne qualité. J'adore, j'aime bien. Non, je la trouve vraiment cute celle-là pour vrai. Je me souviens même pas de ce que j'ai commandé, hein. Fait que c'est une surprise autant pour moi que pour vous présentement, là. Quand même belle, sérieux. Il y a encore le même motif. Il y a encore le même cœur. Je sais pas qu'est-ce que j'avais quand j'ai commandé. J'ai pris tous les mêmes motifs, là. Vraiment cute. Non, sérieux, ça, je trouve ça beau pour vrai. Mais je pense que mon préféré, c'est celui-là. Cette camisole-là, sérieux, je la trouve vraiment belle. Je trouve vraiment qu'elle fait bien. La qualité est full bonne. La grandeur est vraiment, vraiment bonne aussi. Comme pour vrai, si vous l'aimez, je vois pas pourquoi vous l'achèteriez pas. Genre, elle est vraiment parfaite. C'est juste comme il y a beaucoup de cœur. Faut aimer les cœurs. Faut aimer l'amour. J'aime l'amour. Fait que je l'aime. Vraiment belle. Et cette top-là, waouh! Oh my god, je pense vraiment qu'il va être beau lui. Oh my god, je pensais pas que c'était autant. Ok, wow. Ça me gosse parce que c'est quand même des vraiment beaux vêtements. C'est juste le motif. Comme quand est-ce dans la vie, je porterais des cœurs de même. C'est, on dirait que c'est pas mon genre de motif, je sais pas là. Il y a même un petit design de comme un petit dessin avec un cœur au milieu particulier. Mais je trouve ça beau parce que dans le fond, là c'est un peu difficile de le montrer comme ça. Là, vous allez le voir quand je vais l'essayer, mais ça s'attache comme ça, tu sais. Puis sur le côté de même. Je pensais vraiment pas que. Puis genre, je trouve que la qualité est vraiment bonne, sérieux. Puis je pense que lui, je vais vraiment être impressionnée. J'ai hâte de l'essayer. Est-ce qu'on voit bien. Ok, ça c'est genre mon outfit préféré. Je sais que ça a l'air intense, mais comme je trouve ça vraiment nice. Comme je trouve vraiment. C'est, moi ce qui me gosse du top, c'est le design, la couleur, genre. Comme avec les cœurs pis tout ça. C'est pas vraiment mon style, mais je trouve vraiment qu'il fait bien. Comme wow, sérieux. Puis les pantalons, même chose. Comme le motif. Hey, not my style. Really intense, not for me. Mais la façon qu'ils sont faits, c'est la taille. Qu'en pensez-vous? Fait que voilà, le outfit avec les jeans. Et maintenant, le dernier top, et non le moindre, c'est ça ici. Qui est un top comme bandeau, tu sais. Genre, c'est comme un bustier un peu. Ça fait un peu le style d'un bustier, mais c'est pas un bustier. Là. C'est un bustier, c'est vraiment comme un matériel épais qui va vraiment venir comme. Oui, c'est bon, je comprends. Vraiment venir comme être serré, vraiment. Ça, tu sais, c'est vraiment un tissu normal. Fait que je me demande bien. Oh mon dieu, ça a l'air. Mais c'est beau. Puis on traite les cœurs. Mettons que de loin, là, ça fait beau. On dirait qu'il y a comme des couleurs différentes. Mais quand je vous montre de proche, vous voyez, les motifs, c'est comme des cœurs dessinés. Donc, je sais pas à quel point. Mais il est quand même beau, je pense. On va voir qu'est-ce que ça donne sur moi. Ok, mais cette top-là, je suis vraiment surprise, sérieux. J'aurais pas pensé qu'il aurait été aussi beau. Je trouve vraiment qu'il fait bien. Ouais, il est vraiment beau, sérieux. Bon, c'est sûr que la qualité est pas incroyable, encore une fois. Mais je trouve vraiment que le design est vraiment beau, les couleurs. J'aime ça le fait qu'il soit comme un petit peu en plus long ici, plus court là. Qu'en pensez-vous? Ouais, je trouve bien qu'il y a. C'est tellement des beaux vêtements. Pour vrai, je suis vraiment impressionnée quand même. J'ai bien hâte de voir quand je vais les essayer parce que je les ai pas encore essayés au moment que je vous parle. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo tout le monde. J'espère vraiment que vous avez aimé ça. Laissez-moi savoir dans les commentaires quel morceau vous trouviez le plus beau. Et lequel, mettons, que vous êtes surprise, que vous auriez été du genre à acheter, mettons. Et puis, on va se revoir dans une prochaine vidéo tout le monde. À la semaine prochaine. Bye!